Voilà, Hola. donc on est bien arrivé au Mexique. On a traversé le monde entier pour venir ici. 30 heures de voyage, Franchement, très c'était long. fatigant. On vous fera un vlog pour vous raconter exactement comment Ouais. ça s'est passé parce que c'était. C'était la misère. Ouais. Franchement, il nous arrivait plein de problèmes. Et il y a une vidéo obligée à faire sur ce sujet parce que c'était interminable, que des galères jusqu'à la fin en plus. Mais bon, on vous expliquera ça bientôt. Là, maintenant, tous nos vlogs seront en Amérique latine. Ouais, les prochains. Et là, aujourd'hui, on va vous emmener Mais dans notre dans petite nos journée avec ouais, nous. une petite journée, les activités, enfin ce qu'on commence à faire ici au Mexique. C'est bon, on va partir donc du cénote Azul. On va aller direction la plage et si on trouve à manger sur la route, on va s'arrêter tout le monde. Donc du cénote à la Playa XPUHA, je sais pas Ouais. comment on dit. On a pris un tout petit minibus encore, c'est le même qu'on a pris pour partir de Playa del Carmen. Couleur bensine sur la route, Voilà, ça s'appelle des Colectivo et ça va un peu partout. C'est pas très cher. Mais pour l'instant, on fait comme ça et on va voir. Ouais, Donc on va là, voir si on on prend va. une voiture ou pas parce que c'est quand même pas donné quoi. Donc on va voir c'est quoi le plus rentable. Malheureusement, là, comme vous voyez, il y a l'invasion des sargasses et des algues qui est en ce moment et tout, et j'essaye de nettoyer et tout, mais c'est une invasion complète, il y en a énormément. C'est parti, retour à Playa del Carmen. Bon, du coup, on s'est posé là maintenant pour manger. On a pris un burrito et 4 tacos et on va vous montrer tout ça. Regardez comme il est énorme le jus de fruits. Ah, il doit bien y avoir 1 litre. Ouais, je pense. C'est un jus de papaye. Papaya. Il est trop bon en plus. Ah, c'est bon aussi. On est bien servi. Ouais. Go. Je peux goûter les tacos. T'as mis une sauce, parce que là il y en a une qui est piquante et l'autre et il y a le citron aussi. C'est quoi la tomate celle-là? Ah ok, ça va. Bon là on vient de rentrer, on vient de se laver et tout. Je vais vous montrer un petit peu là où on habite et après on ira vous montrer la rue principale de la ville où on est. Ça va être super sympa, c'est cool. Et on va manger une petite spécialité. Deux spécialités. Allez! Yo escucho lo que dice el cora, lo bueno es lo que se demora, vale la pena cada herida y el sufrimiento. Yo escucho lo que dice el cora, lo bueno.
aunque se demora, vale la pena cada herida. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. Donc voilà, vous avez un peu vu l'ambiance qu'il y a ici et tout sur cette avenue. Ça ouais. fait sûrement plusieurs kilomètres. Vous marchez, il n'y a que des petits magasins locaux et tout. On fait et... des petits mille pas ici. Ouais. Et après, il y a des petits centres commerciaux aussi. Enfin, un assez gros centre commercial oui. aussi ici. Il y en a deux gros. Donc il y a de tout. Et plein de petites boutiques. Vous allez vous faire aborder de partout, par contre, c'est sûr, pour les excursions et tout. Mais ouais, c'est le jeu et on aime bien. Il y a une bonne ambiance. Voilà la voiture que je vais acheter à Leslie pour se balader au Mexique. On s'est arrêté dans un stand de street food pour goûter la tortas. On n'a jamais goûté, alors je vous montre. C'est dans un pain comme ça. Vous avez à plus
plusieurs. Je crois qu'il y a bœuf, saucisse, donc porc, et je sais plus quoi. Et nous, on a pris poulet avec des oignons, de l'avocat, et je crois que c'est tout. Et une sauce, non? Ouais, non, il y a le chicken carne. Ah oui, je vois, il y a un peu de riz, non? Bon, bah parfait, goûte. Bon, c'est bon, du coup, on a fini de filmer pour TikTok. Et bah, ils trouvent ça très bon. Je vais goûter, ouais, moi aussi. Franchement, c'est bien servi, hein. T'es calé, là. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Ah, c'est bon. Deuxième spécialité, juste ici. On va vous montrer ça, c'est super bon. Et voilà le gros burrito. Et voilà. C'est bon. Ah, je vais juste le goûter. Parce que moi là, mon objectif est de retrouver mes abdos. Donc je suis en sèche complète. Mais je vais goûter quand même. C'est bon, hein? Non, meilleur, ouais, qu'à l'autre qu'on avait testé. Ouais. Ok, ben on vous mettra l'adresse. Et voilà, c'était nos premiers pas au Mexique, à Playa del Carmen. Et la suite? Ouais, la suite, là on rejoint Clément et Marie pour manger et on va découvrir plein de choses. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures au Mexique. Ciao, ciao.